C'est un honneur de représenter le grand nombre de personnes qui ont travaillé ici au Québec sur le tyrosinémie pendant de nombreuses années, et en particulier Jean La Rochelle, qui nous a inspirés tous, chacun de façon différente. C'est un plaisir de retourner ici, à Chicoutimi, où tout a commencé au Québec pour la tyrosinémie. Et c'était un grand plaisir de traverser le parc et de voir les jolies collines et lacs. Et c'est envoûtant de revenir ici et de voir mes amis. Nous avons tout un mandat pour ce premier discours. Dans un sens, il faut qu'on repasse la tyrosinémie pour qu'à la fin, tout le monde sera capable d'apprécier les discours qui vont suivre. Nous avons donc ce premier discours sera en français pour les parents, pour les personnes de langue française ici avec une traduction simultanée. Beaucoup des autres présentations au cours du congrès seront en anglais parce que c'est le mandat des scientifiques de nous, comme a toujours fait Dr. La Rochelle, de confronter ce qui se fait localement avec ce qui se fait à l'international, et nous sommes très heureux que de nombreuses personnalités et scientifiques du monde entier sont venus ici nous appuyer et pour échanger avec nous de façon scientifique. Donc beaucoup des présentations plus tard pourraient être à un niveau qui pourrait être comme de fines points scientifiques. Donc mais celui-ci devrait être, j'espère, compréhensible à tout le monde. Mes implications, que je note que j'ai été servi dans des comités experts en Europe et en Amérique du Nord pour mettre au point des guides de traitement pour la tyrosinémie et pour donner des présentations éducationnelles dans ce domaine. Cette diapositive résume tout ce que je vais dire. Donc, la tyrosinémie est une maladie génétique, métabolique, sévère, commune au Québec, où il est dépisté en période néonatale. Les avancées majeures dans le traitement incluent le greffe hépatique et plus récemment, la combinaison de la diète et la nitisinone pour traiter les enfants avant qu'ils deviennent malades sur le plan clinique. La tyrosinémie est un système modèle qui est utilisé par beaucoup de chercheurs à travers le monde pour innover et de développer des nouveaux traitements pour la tyrosinémie et aussi pour d'autres maladies. Le but du groupe québécois du NTBC et de tenter de donner une vie normale aux enfants et aux adultes avec la tyrosinémie. Donc, si vous avez compris tout ça, et c'est tout ce que je vais dire. Prenez votre pause café. Mais je vais repasser point par point. Donc, il est une maladie métabolique sévère. Et personne ne peut nier que c'est une maladie sévère lorsqu'il n'est pas traité. La maladie touche plusieurs organes, surtout le foie, mais aussi d'autres organes qui peuvent rendre la vie difficile pour les personnes s'il n'est pas traité. Le foie, le rein, le nerf périphérique avec les crises neurologiques, et aussi d'autres organes peuvent être affectés, mais plus rarement. À droite de cette diapositive, vous avez le... Est-ce que vous voyez cette pointeur? Non. OK. À droite de cette diapositive, vous avez le groupe québécois a étudié. Dr. La Rochelle a contribué énormément à ce groupe-là. C'était Dr. La Rochelle qui a tirer l'attention à la sévérité de la maladie. Dans sa première publication, il a mentionné qu'il y avait une mortalité de 90% avant l'âge de 2 ans pour les enfants qui n'étaient pas pris en charge par les techniques modernes, mais qu'ils n'avaient pas accès à cette époque-là.
Cette diapositive montre l'état de la situation pendant les 10 ans avant 1994, lorsque le NTBC est devenu disponible. Chacune des lignes que vous voyez à droite est la vie d'un enfant. Et en haut, vous avez le nombre d'années. Vous voyez que les lignes ne sont pas longues. Vous voyez que chacune des traits jaunes est remplie de petits points. Chacune de ces points est pour une hospitalisation. Chacun des points sont de deux couleurs. Une couleur représente des crises neurologiques. Une autre couleur représente les hospitalisations pour d'autres raisons, notamment des problèmes au foie. Donc, c'était des enfants qui étaient continuellement à l'hôpital, souvent aux soins intensifs. À la fin, à votre droite, les lignes horizontales terminent soit par un petit cercle avec un T pour une greffe, une transplantation, soit par un point noir, qui est malheureusement le décès. Donc, c'était une maladie extrêmement sévère. Cette diapositive montre les caractéristiques des crises neurologiques que Dr. La Rochelle et moi et d'autres personnes dans la province ont décrit en détail. Et je le mentionne surtout pour mettre à l'honneur le travail de Dr. La Rochelle. Une maladie génétique et métabolique. Donc, c'est une maladie à transmission autosomique récessive, ce qui veut dire que les deux parents sont porteurs et que les enfants, lorsque les deux parents sont porteurs, avec chacun une copie du gène muté, le risque à chaque grossesse d'avoir un enfant atteint est de 25%. Et puis, la génétique a fait un grand bond de l'avant avec les travaux de Dr. Grumpy, Dr. Tanguay, qui sont ici au Congrès aujourd'hui, pour découvrir la mutation fondatrice au Québec. Et puis, à la suite de cette grande découverte, vous allez voir que maintenant, ça a été beaucoup plus élaboré. Et vous verrez deux posters, celui de Francis Rossignol et puis aussi celui de Hao Yang. En bas, c'est une histoire de famille qui est extrêmement frappante et qui est importante pour les personnes qui ne connaissent pas la tyrosinémie et sa variabilité. Vous voyez un arbre généalogique, un père, une mère et trois filles. Trois filles atteintes de la tyrosinémie. Une première qui est décédée rapidement après la naissance avec la forme classique de la tyrosinémie. Une deuxième qui, avec un traitement rapide avec la diète, a été complètement normal pendant les premières années de vie, mais qui a par la suite développé un problème rénal très important. Et le troisième qui est décédé, et en révisant l'histoire de cas, Dr. La Rochelle a conclu que c'était probablement une crise neurologique. Donc la même famille, le même sexe, les mêmes gènes, la même mutation, mais les trois manifestations cardinales de la maladie. Donc, nous ne pouvons pas prédire la sévérité chez un individu juste en sachant le génotype de la maladie. Alors, c'est un défi à la fois pour la recherche et aussi pour les séries de patients avec la tyrosinémie. Il faut avoir des grandes séries afin de conclure sur l'efficacité d'un traitement. Métabolique. Donc, c'est une maladie métabolique. Plusieurs sont très familiers avec cette voie métabolique, d'autres moins. En haut, mais c'est la voie métabolique qui est touchée dans la tyrosinémie. En haut, c'est la phénylalanine et la tyrosine, deux acides aminés qui sont dégradés par les séries de petites flèches que vous voyez de haut en bas.
Et il termine avec quelque chose que vous voyez en jaune, le fumeryl acétoacétate. Et la dernière étape, cette composé est scindé dans des composés qui peuvent être utilisés par tout le monde. Donc, le flux par cette voie métabolique est réglé par la diète et par les périodes d'infection et de stress où le corps libère beaucoup d'acides aminés. C'est ça qui détermine combien de molécules passent par cette voie métabolique. Et c'est important pour les enfants avec la tyrosinémie. Le bloc héréditaire dans la tyrosinémie se retrouve à la toute dernière étape de cette voie métabolique, au niveau de l'enzyme qui est abrégé FAH. Et ces deux composés que vous voyez en amont, qui sont indiqués FAA et MAA, forment une composé toxique qui s'appelle le succinylacétone. Donc il est en bleu et vous voyez qu'en bleu ici, le succinylacétone est utilisé pour poser le diagnostic pour de la tyrosinémie. Le succinylacétone indique très fortement qu'une personne a la tyrosinémie. Les derniers composés sont toxiques pour le foie. On pense qu'ils affectent le foie de plusieurs façons, qu'ils créent des mutations dans l'ADN, qui forment une sorte de stress oxydatif, et aussi qui vont s'attacher aux protéines pour les modifier. Donc, plusieurs façons, parce que ce sont des composés extrêmement réactifs. En plus, le succinylacétone a une toxicité spécifique qui engendre les crises neurologiques. Donc, de toutes ces façons différentes, la tyrosinémie affecte la santé des individus qui manquent le FAH. Il est fréquent au Québec. Donc, c'était la première grande découverte dans la tyrosinémie. Dr. Boyd-Gerson a déjà discuté de ça. Et Dr. La Rochelle était la personne qui a identifié. Et c'était sa perception clinique auquel nous sommes très reconnaissants tous, qui a identifié que c'était un phénomène qui se trouvait ici au Québec. Donc, à droite, vous avez la carte du Québec. Et vous voyez l'hexagone, la France. Et les personnes qui ont colonisé le Québec initialement, parce que la raison pour laquelle c'est fréquent au Québec est historique, venaient de partout en France et beaucoup d'une petite région qui s'appelle la Perche, qui est une grosse pointe rouge dans la carte. Donc, les autres diapositives vont se concentrer sur le petit carré rouge ici. Et en vert, vous voyez la façon par laquelle les colons étaient organisés. Vous avez comme des longues fermes qui aboutissent tous sur la fleuve, parce que le fleuve était la seule façon par laquelle les personnes pouvaient transporter. Il n'y avait pas de route. Et bientôt, ces longs terrains étaient divisés parmi les héritiers d'une personne, et puis ils devenaient très très minces et pas suffisants pour supporter les grandes familles qu'ils avaient à l'époque. Et les personnes cherchaient des nouvelles terres à coloniser. Donc ici, pour point de repère, vous avez le fleuve Saint-Laurent et la ville de Québec, et une seigneurie française, en particulier, qui s'appelait la Seigneurie de Beaupré, qui était alignée, c'est celui que j'ai indiqué avec la carte. Lorsque les terrains devenaient disponibles pour l'exploitation, plus au nord, dans le bel pays ou bel territoire qui s'appelle le Charlevoix, beaucoup de personnes y sont allées, mais c'était des personnes qui provenaient beaucoup de Beaupré. Et ainsi de suite, dans le 19e siècle, lorsque le Saguenay était ouvert à la colonisation, la même chose, et le Saguenay et le lac Saint-Jean. Donc, par une espèce de sélection successive, il y avait très peu de gens qui sont responsables pour la colonisation de toute cette grande territoire.
Et certaines conditions sont devenues fréquentes dans cette région-là, d'où le fait que le tyrosinémie est maintenant connue comme une des cinq grandes maladies génétiques québécoises et l'épicentre est ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Par la suite, les personnes ont migré partout au Québec, les personnes du Saguenay, et la condition se trouve partout dans la province de Québec. Il est mon mandat aussi de faire le contraste entre le Québec et la situation ailleurs. Donc, d'un côté, on peut dire que la tyrosinémie est beaucoup plus fréquente ici qu'ailleurs, et si nous faisons des calculs relativement faciles, en disant qu'il y a 8 millions de personnes environ au Québec, si on calcule une prévalence dans la province de à peu près une naissance sur 6 000, il devrait y avoir 500 personnes avec la tyrosinémie. Il n'y en a pas. Où sont-ils? Mais malheureusement, ils ne sont pas tous transplantés, ils ne reçoivent pas tous le NTBC, ils ne sont pas tous en bonne santé. Il y a beaucoup qui sont décédés. La situation, quand on regarde le monde, il devrait y avoir, selon mes calculs, même avec une sous-estimée de la fréquence de la tyrosinémie, 1 sur 200 000, il est probablement plus fréquent que ça, 35 000 personnes avec la tyrosinémie au monde. Où sont-ils? Sans avoir la détection rapide, je pense qu'ils sont des personnes qui sont souffrantes, malades, peut-être pas diagnostiquées et en grande partie décédées. Au monde, il naît tous les années pas loin de 1 000 enfants avec la tyrosinémie. Donc, c'est une des réflexions que nous devons avoir à ce congrès, c'est de penser non seulement au fait que nous sommes bien à cause de Dr. La Rochelle et des personnes qui l'ont succédé, mais aussi que nous avons une grande responsabilité et que la tyrosinémie comme maladie, on peut mieux faire au niveau mondial. Il est détecté au Québec par le dépistage néonatal. Je ne vais pas parler de ça en détail parce qu'on a un expert, Yves Giguère, qui va en parler. Je mentionne les noms des gens comme Claude Laberge, comme Charles Scriver, qui ont été impliqués avec Dr. La Rochelle dans la mise au point de cette technique et c'était historique. C'était la deuxième grande avance dans la tyrosinémie au Québec. La grande affaire, c'est parce que les enfants peuvent être détectés et traités avant qu'ils deviennent malades sur le plan clinique. Ça fait toute une différence. La troisième grande avance est la transplantation hépatique. Ça guérit la maladie, mais les personnes sont à risque pour d'autres complications plus tard. Soulignons quand même l'énorme implication des pionniers dans ce domaine, André Raskin, Hervé Blanchard, le chirurgien, Cazel Paradis, qui était fellow et qui a vraiment poussé pour ça, qui est ici au Congrès, et Fernando Alvarez, Michel Bergeron et les autres hépatologistes qui sont arrivés plus récemment, ont tous contribué à rendre le greffe hépatique possible et à donner une excellente qualité de vie à beaucoup de personnes tyrosinémiques au Québec. La quatrième grande avance était la combinaison de nitisinone et un régime restreint en tyrosine et en phénylalanine. Comment est-ce que ça marche? Le nitisinone, qui vous allez entendre NTBC, nitisinone, le nom commercial c'est Orfadin, inhibe cette enzyme, le 4-hydroxyphénylpyruvate dioxygénase. Et il est une inhibition très étanche et tous les composés qui se trouvent à être en aval de cette position dans la dégradation de la phénylalanine essentiellement disparaissent. Alors, la toxicité diminue presque immédiatement après l'administration de la première pilule de NTBC.
Toutefois, en amont de cette étape, il y a une augmentation des acides aminés, comme la tyrosine, et une restriction diététique est absolument essentielle. Le traitement est les deux. Le traitement n'est pas l'un et l'autre. Le nitisinone est important pour la maladie hépatique, mais pour l'augmentation de la tyrosine, la diète est absolument essentielle. Donc, à cause de ces grands développements, aujourd'hui, nous pouvons être fiers au Québec. Et un enfant qui naît dans le village le plus éloigné au Québec va être détecté et traité par un traitement de pointe plus rapidement qu'un enfant qui va naître à Londres, Paris, Tokyo, et n'importe où. Donc, je pense qu'ensemble, il faut se le dire. Il faut aussi dire qu'il y a eu des grands noms à l'extérieur du Québec qui ont contribué de façon extrêmement importante au développement de la tyrosinémie. Dr. Bjornsken a mentionné ça, mais j'aimerais juste souligner les apports de ces chercheurs. Sven Lindstedt, qui découvrait que c'était le gène FRH, la protéine qui était déficitaire. Avant ça, on pensait que c'était tout à fait ailleurs. Edward Locke, qui a eu l'idée géniale d'utiliser cette composé industrielle comme un médicament pour traiter les personnes avec la tyrosinémie. Sans lui, ça pourrait être tablaté sur un palier dans une compagnie pharmaceutique et personne n'aurait jamais entendu parler de ça. Mais il a eu l'idée de contacter Dr. Lindstedt. Dr. Holme et Dr. Lindstedt, qui ensemble ont donné les premiers traitements de NTBC aux patients. Et je mentionne aussi une grande chercheuse norvégienne, Dr. Kvittingen, qui a découvert des phénomènes dans la tyrosinémie qui vont être importants dans certaines affiches et dont on va se servir au cours de ce congrès. Vous voyez les photos de Dr. Lindstedt et Dr. Holme. Ils n'ont pas pu venir à la congrès et malheureusement, les deux sont décédés cette année. Mais toute la communauté internationale leur doit une grande reconnaissance. Au début de notre étude, il y a 20 ans, il y avait un petit groupe de personnes qui ont décidé de se lancer à donner la NTBC au grand nombre de patients tyrosinémiques au Québec. C'était une décision qui était à la limite un peu plus lourde que si on avait juste un petit nombre de patients, parce que la décision allait impliquer la vie et la santé d'un grand nombre de patients. Alors, c'est une décision lourde de conséquences et ça a été pris avec beaucoup de discussions et beaucoup d'efforts de toutes les personnes que vous voyez ici. Donc, on m'a montré une feuille jaune. Donc, je présume que c'est comme le maillot jaune. On y va. Donc, on a par la suite analysé après 20 ans de traitement le NTBC. On a divisé en groupe qui n'a pas reçu le NTBC, qui n'a jamais reçu du NTBC, un groupe qui a reçu du NTBC lorsqu'ils étaient plus âgés qu'un mois, et puis un groupe qui a été moins âgé qu'un mois et qui a reçu le NTBC tout de suite. Les résultats étaient spectaculaires. Avant, c'était le même que vous avez vu, c'était extrêmement mauvais comme prognostic. Les enfants recevaient une nouvelle fois avant l'âge de 3 ans en moyenne. Après, il n'y a plus eu de crise et presque plus eu d'hospitalisation. Tout ce que vous voyez en mauve, c'est la vie de ces enfants qui a continué. Certains enfants ont dû être transplantés à cause des dégâts hépatiques qu'ils avaient avant le traitement, je crois, mais le taux de transplantation a diminué et tous les enfants qui ont le problème, qui ont été traités avant l'âge de 1 mois, personne n'a aucune crise neurologique ou problème hépatique à date. C'est un système modèle pour les études scientifiques. Vous allez avoir des grands scientifiques qui vont vous en parler, mais écoutez-les, parce que c'est de ces résultats, de cette,
étude fondamentale que va venir les prochaines grandes découvertes dans la tyrosinémie. Quelles sont les grandes questions? Quel est l'avenir à long terme? Vous allez avoir des experts qui vont vous parler de ça après la greffe et avec le traitement médical. Et quelles sont les conséquences maintenant? La tyrosinémie n'est plus une maladie des soins intensifs. C'est une maladie où il va falloir que nous visons une qualité de vie et d'avoir comme des critères qui sont de plus en plus hauts en ce qui concerne le développement et la qualité de vie de nos patients. Il y a une nouvelle génération de personnes avec la tyrosinémie qui n'ont jamais connu la maladie. Toutes les personnes étaient, tous leurs enfants vont bien. Et il est très important que les personnes se rendent compte que c'est une différente mentalité maintenant que ce qu'il y avait auparavant lorsque c'était une maladie des soins intensifs. Alors, nous attendons des experts aussi pour nous expliquer ce changement psychologique que nous devons tous prendre pour traiter la nouvelle réalité de la tyrosinémie. Donc, ça, c'est la première diapositive. On a essayé de passer à travers les choses. Et en conclusion, il y avait des avances majeures dans la lutte contre la tyrosinémie. La recognition au Québec, le dépistage néonatal, la greffe hépatique et le traitement par la NTBC et la diète. Notre étude fournit un portrait unique de la tyrosinémie sur 31 ans maintenant. L'étude de ce groupe prouve que le traitement médical de choix est le dépistage suivi d'un traitement diététique et par NTBC, rapidement lorsque l'enfant est encore asymptomatique. Mais d'un côté, ne soyons pas trop complaisants parce qu'il y a des grands défis qui nous restent. La compliance au traitement, le suivi pour le développement du cancer dans le foie, le développement psychomoteur et la maturation afin de mener une vie autonome et pleine et en santé. Donc, en terminant, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont travaillé dans ce projet. Certaines ne s'y trouvent pas. On a des diététistes, des infirmières. J'aimerais souligner la contribution essentielle de Dr. La Rochelle. Son héritier, Guy, fait un excellent travail ici, un excellent collaborateur. Et j'aimerais aussi souligner deux infirmières qui ont travaillé à Sainte-Justine, Yolande Lefebvre et maintenant Martine Gosselin. Parce que ce n'est pas facile d'organiser l'étude avec les 97 patients que nous avons maintenant. Et cette organisation, ce serait impossible sans ces personnes-là. Et j'aimerais souligner les contributions de Martine Gosselin qui est ici au Congrès aujourd'hui. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour. On a très peu de temps pour des questions parce que le docteur Grant Mitchell, il est très bavard. Mais ça fait rien. Il vous a expliqué beaucoup de choses. Est-ce que vous avez des questions à poser qui pourraient vous aider pour comprendre mieux le système? Il y a deux micros ici dans le milieu de la salle. Là. N'hésitez pas. Grant, en attendant que des gens se lèvent, je pourrais te poser la question suivante. Qu'est-ce qu'il y en a des grossesses, des femmes avec tyrosinémie et une grossesse éventuelle parce que la cohorte vieillit, puis cette possibilité-là va être de plus en plus fréquente? Là. OK, Bruno. Donc, grossesse, c'est une grande question. À date, les personnes sous traitement par NTBC au Québec, il n'y a pas eu de grossesse. On a eu des grossesses avec des personnes qui ont reçu les greffes hépatiques, très réussies, même sur le poster du congrès, vous le voyez. Et par ailleurs, Dr. Ogier va parler des grossesses européennes un peu plus tard, lorsqu'on parlera de contraste entre les deux protocoles. D'accord.
D'accord. Okay. Alors, merci, Grant. Merci.